Stéphanie, ne me faites pas, s'il vous plaît, de crise de jalousie. Oh non, non, je ne Ou suis pas alors, jalouse. En tout cas, je suis contente que ouais, vous ayez retrouvé ouais. votre âme d'enfant, Sylvain. Ouais, là, ça là, m'a vous pouvez rassurée. Pas savoir comme je suis enfant. Je suis enfant. C'est un peu comme si j'étais dans la cour de récréation à jouer avec Juliette. Juliette, merci de nous offrir ce maquillage tout à fait impressionnant. Et un puis, maquillage qui est réalisé par Cindy Lécuyer, que nous accueillons maintenant. Bonsoir, Cindy. Bonsoir. Et à côté de Cindy se trouve Corentin Bénard, qui est animateur à la radio étudiante R2R. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à côté de moi, pour une fois, j'ai un assistant. C'est notre assistant, Sylvain Plateau, qui s'appelle Simon. Bonsoir, Hello, Simon. Hello, Simon. First time ouais. ici, sur un plateau mmh. Bon, ouais. c'est impressionnant, hein, surtout qu'avec... Pas peur du maquillage ? Ouais, c'est vraiment impressionnant, quand même. Alors, on commence tout de suite avec vous, Cindy. Avec toi, Cindy, pardon. On avait dit tout à l'heure qu'on se tutoyait. Donc, Cindy, c'est quoi le déclic qui t'a donné envie de faire du maquillage, d'être maquilleuse ? Alors, en fait, c'est quand j'étais en seconde. J'ai fait partie d'une troupe où on refaisait Starmania. Et j'ai dû m'incruster parce qu'il n'y avait plus de place c'est au niveau du champ. Et donc, j'ai dû préparer les maquillages et choses comme ça. Donc, je me suis un peu intéressée à ça. Et la deuxième représentation, il y a eu un maquilleur professionnel qui est venu et qui a vraiment monté tout son talent. Et là, je suis vraiment tombée amoureuse de ce métier. Et après, tu as fait une formation à Paris ? C'est ça. J'ai fait d'abord un CAP d'esthétique à Rouen, histoire d'avoir une formation un peu plus reconnue par l'État que le maquillage. Et ensuite, une formation d'un an sur le maquillage artistique. Alors, dans la région, tu es connue au niveau professionnel sous le nom de Strenga Makeup. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, et quelle est ton expérience aussi ? C'est ce mot, je l'ai trouvé quand j'étais en Italie. En fait, le mot streghe qui veut dire sorcière, donc tout ce qui est à l'attrait de la magie, du changement, des choses comme ça, et mixé avec le mot strange, étrange en anglais. Et voilà, j'ai sorti ça de mon chapeau, ça a fait Strenga, et voilà. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui Juliette est bien maquillée d'une façon un peu strange. C'est ça. Alors, Stéphanie, puisque vous allez passer avec Juliette, moi je vous propose qu'on inverse. Parce que je voudrais profiter au maximum. Ah, il a vraiment retrouvé son âme d'enfant. J'ai retrouvé mon âme d'enfant, mais Stéphanie, à un point, vous ne pouvez pas imaginer. Ça va, et donc, je me retrouve maintenant avec Cindy pour que vous. Non, mais c'est volontaire pour que vous puissiez le plus sereinement possible interviewer Juliette. Voyez. Alors, Juliette, vous êtes modèle, c'est ça ? Oui, je suis mannequin de métier. Je commence seulement. Et oui, je vois, parce que si vous aviez terminé, vous auriez fait l'autre moitié. Voilà. Hein, vous commencez. On n'a pas eu le temps, on était dans les bouchons. Donc... Ah oui, c'est ça, la circulation à Rouen, c'est difficile. Ce soir, c'était un peu difficile sur les routes, hein. Oui, effectivement. Alors, donc, vous travaillez pour Cindy, c'est ça ? Je suis une amie à Cindy. On s'est rencontrés par le biais d'une autre amie qui est partie en Australie. Bah, vous auriez dû venir avec elle, hein. C'est dommage, il ne fallait pas la laisser partir. On l'aurait bien aimé. Donc, elle nous manque, donc on l'aurait bien aimé qu'elle soit là avec nous aussi. Alors, il faut dire aussi que Cindy a une expérience de modèle également, comme vous, Juliette. Est-ce que tu peux nous raconter ? Alors, en fait, c'est parce que j'ai travaillé avec beaucoup de photographes et ces photographes-là m'ont dit « Mais pourquoi les jolies maquilleuses, elles n'ont pas le droit de poser aussi ?» Et donc, après, on a tenté et on a essayé de faire ça. Et depuis, je me suis pris au jeu et ça continue. J'ai toujours de la demande, des nouveaux projets... Ça s'oriente plus vers du pin-up en ce moment, mais sinon, ça continue toujours. Et moi, je m'amuse, donc je continue. Alors moi, j'aimerais aussi que tu nous parles de ton intervention avec l'artiste Oxmo Puccino. Qu'est-ce que tu as fait ? Alors en fait, j'ai travaillé sur son clip, le dernier qu'il a sorti, qui s'appelle « Artiste ». On m'a appelé genre 2 jours avant en me disant « On a un manque de maquilleuse, est-ce que tu peux pas venir nous aider ?» Et donc, j'ai eu l'occasion de pouvoir le maquiller et aussi... de un peu discuter avec toute son équipe et on a fait beaucoup de choses différentes parce qu'il y avait beaucoup de maquillage très, très imposant. Donc on a vraiment pu s'amuser sur ce clip en fait. Et vous Sylvain, vous connaissez cet artiste Oxmo Puccino ? Non, mais non, pas du tout. Non. Et le maquillage, ça vous tente ? Écoutez, oui, si le maquillage... Prochain Halloween, un petit squelette. Si le maquillage c'est avec vous, je suis irrésistiblement tenté, oui, absolument. Alors, oui. Il faut savoir que Cindy maquille pour différentes occasions. Tu as différentes prestations ? Oui, alors là, on est le mois de décembre, donc il y a forcément plus tout ce qui est maquillage enfant. Donc tout ce qui va là, je vais être au Parc Expo, à la Kind Arena, donc pour travailler sur tout ce qui est maquillage enfant. Sinon après tout ce qui est on va dire mars avril jusque septembre octobre, là j'en ai même eu jusqu'au mois de décembre. Il y a les mariages bien sûr,
Après, on m'embauche aussi pour des soirées déguisées, donc on se retrouve avec ce genre de choses. Et puis, sinon, les séances photos, les défilés, l'équipe, comme on a pu le voir. Et puis, voilà, à peu près. C'est déjà pas mal, une bonne gamme. Oui. Ah, et puis, il y a France 3 aussi, chez qui je travaille de temps en temps. Alors, juste un petit mot, mais on ne l'évoque pas, puisqu'on te retrouvera la semaine prochaine avec ton groupe. Tu es aussi chanteuse dans un groupe qui s'appelle Rockin' Soul. Alors ça, chers téléspectateurs de la chaîne Normande, vous découvrirez Cindy le 20 décembre avec son groupe Rockin' Soul, un groupe plutôt jazzy, rock et soul. C'est ça. Mesdemoiselles, un grand merci. Merci de nous avoir amené ces jolis visages et puis cette fraîcheur qui est la vôtre. Et vous nous avez impressionnés. Moi, je voudrais vous impressionner à mon tour. Vous savez le pouvoir que j'ai, moi, ici sur ce plateau. Je fais ça et puis tout d'un coup, on se retrouve en liaison directe avec la ville du Havre. Regardez. Je le fais une fois, ça devrait marcher. Voilà, regardez. Vous avez vu, c'est extraordinaire. Oui, ça marche très bien. Ah bah écoutez, j'y vais, j'attendais que vous me... Je sais pas, vous venez peut-être me parler, cher Sylvain. Écoutez, oui, en effet, nous sommes toujours au Havre. Nous sommes maintenant sur le marché de Noël. Alors, c'est traditionnel maintenant un peu partout sur le territoire français, plus particulièrement en Seine-Maritime et dans l'Eure. Eh bien, on trouve des marchés de Noël. Ici, il se trouve à proximité de l'hôtel de ville. Donc là, on était tout à l'heure. Ce marché, il y a à peu près une quarantaine de chalets. Je me suis arrêté au pain d'épices de Bertrand. Alors, je vous laisse regarder. Ici, il y a tout plein de pains d'épices. Des pains d'épices à la bergamote, des pains d'épices au confit d'ail, enfin bref, tout un tas de pains d'épices. J'ai avec moi Christian, qui travaille en famille, hein, c'est une affaire de famille ce pain d'épices. Parlez-moi un petit peu de ce que vous vendez ici, ce sont des produits artisanaux. Hein. Oui, alors voici maintenant 11 ans que Bertrand a créé son entreprise en apiculture, en arboriculture fruitière. Et puis il a eu une formation avec un ancien chef de France qui donnait des cours de cuisine au Havre. Quand il a fait ses premières récoltes de miel, il a eu l'idée de faire son pain d'épices. Mais en partant du principe de ne pas faire des pains d'épices comme les autres, parce qu'il y en avait déjà suffisamment, c'était pas la peine d'en faire plus. Alors du coup, vous avez décidé de créer non pas un pain d'épices, non pas une variété de pain d'épices, mais près d'une centaine. Oui, c'est ça, même plus d'une centaine. Parce que l'idée première, si vous voulez, il y a eu des associations avec le foie gras au départ, mais il n'y a pas que le foie gras dans la vie. Et dans l'idée, donc, on a créé des pains d'épices pour associer avec du poisson, des légumes, des fruits, de la viande, des produits finis. Dans l'idée, c'était de rechercher le meilleur accord qu'il pouvait y avoir. Par exemple, je vais prendre l'aneth avec le saumon, c'est un sans faute. Mais avec le foie gras, on n'a pas qu'un seul pain d'épices, on a plusieurs pains d'épices. Parce que l'idée aussi, pour déguster le mieux possible le foie gras, c'est pas de prendre un seul produit qui va être linéaire au niveau de la dégustation, mais deux, trois pains d'épices qui vont à chaque bouchée être différentes. Et puis là, ça va être un parcours gustatif super sympa pour tout le monde. Et puis en même temps, on va changer un petit peu la tenue du foie gras qui durait une minute chrono silence. Ça va se transformer en conversation conviviale avec des échanges entre invités. Je pense que c'est super sympa. Bah oui, c'est une idée pour... Merci à vous. Une idée pour... les fêtes, on peut investir dans du pain d'épices, les produits, et voilà, passer un super moment ensemble. Voilà, donc c'est le marché de Noël qui se trouve donc ici au Havre. Donc toutes les animations dont on vous a parlé jusqu'à maintenant, la grande roue, les décorations, ça dure jusqu'au 5 janvier, les vitrines bien sûr, à l'hôtel de ville du Havre. Et puis ce week-end, c'est également une très bonne occasion pour venir au Havre, puisque un cavalier, les cavaliers, ce sont ces espèces de grands engins qui font 16 mètres de haut, qui servent à transporter les containers. Eh bien, un container, ce soir, au Havre, va traverser la ville pour être exposé au Port Center, nouveau Port Center qui est inauguré ce week-end. Il se trouve qu'à Southampton et tout ce week-end, vous pourrez voir ce cavalier. Ce soir, il fera le trajet aller et dimanche, il fera le trajet retour. Un parcours qui devrait être impressionnant. Ça commence vers 21h ce soir. Voilà, le Port Center ce week-end. Voilà, si vous venez faire vos courses, vous pouvez faire à la fois du maritime, découvrir, faire un peu de culture, découvrir ce Port Center, venir faire vos achats de Noël, découvrir la vitrine. Enfin voilà, c'est au Havre qu'il faut être ce week-end. Mais c'est un battleur, ce Guillaume Garret. Il pourrait nous en conter, il pourrait nous en raconter. Juste une dernière chose, Guillaume, avant qu'on vous laisse filer, puisque vous sillonnez le territoire de la Haute-Normandie, comme je l'ai dit. Est-ce qu'on vous retrouve quelque part en Haute-Normandie la semaine prochaine, dans duplex ou pas? Mais oui, alors on me prenez un peu de cours, on ne sait pas encore tout à fait où est-ce qu'on sera la semaine prochaine, mais en effet, on sillonnera le territoire, on sera forcément en Haute-Normandie, et puis on vous présentera ce qui se fera de mieux la semaine prochaine sur la chaîne Normande.
J'adore Guillaume, voilà, c'est fini, je reviens pas vers vous, mais j'adore vous prendre un petit peu de cours comme ça, parce que vous êtes tellement l'homme du direct, l'homme de l'impro, l'homme qui a cette aisance, que j'aime bien vous coincer un peu une fois de temps en temps, ça me fait plaisir. En attendant, vous savez quoi, Sylvain ? Allez-y. Vous savez quoi, Sylvain ? Moi, en attendant, je vais vous laisser l'antenne, et puis je vais le goûter, ce pain d'épices, je vais goûter ce foie gras, puisque ça a été préparé avec amour, voilà. Eh bien, très bien. On vous envie beaucoup et en tout cas, parce merci moi, de nous faire vivre avec autant d'énergie, avec autant de plaisir, ce qui se passe actuellement au Havre, puisqu'on était en direct, vous l'avez compris, à l'approche des fêtes. Voilà, et là, on passe à un autre sujet, comme c'est de coutume dans la quotidienne. Il est parti un peu vite. Les jingles, finalement, ils prennent l'exemple de Guillaume Garay, ils partent à toute vitesse, les jingles, on ne peut plus les maîtriser. Bien, alors Stéphanie, quel est le sujet maintenant dont on va parler ? On va parler de la radio étudiante R2R avec Corentin, qui est animateur sur cette radio. Bonsoir, hello, Corentin. Bonsoir, Sylvain. Alors, j'aimerais, Corentin, pour commencer, que tu me dises quand a été créée cette radio étudiante R2R, par qui, à qui elle est destinée, cette radio ? Alors, la radio R2R, elle a été créée en novembre 2009. Donc ça va bientôt faire 4 ans donc, de présence. Elle s'occupe donc de promouvoir toutes les initiatives associatives de la faculté de Rouen. Et aussi d'assurer une présence en co-créant des événements et en mettant vraiment en avant les talents du coin. Alors cette radio, elle est écoutée forcément par les étudiants, mais pas seulement. Tout le monde peut l'écouter, et où, sur quelle fréquence ? Alors on peut l'écouter sur R2R 101.3 sur toute l'agglomération rouennaise. Redis la fréquence, 101 ? 101.3. 101.3, d'accord. Voilà. Et sinon, vous pouvez aller sur le site de la radio, R2R, radio-R2R, et là vous pouvez l'écouter partout dans le monde. Alors j'aimerais qu'on parle maintenant de ton émission qui s'appelle Rouen a du talent. Qu'est-ce que c'est que cette émission ? Alors, cette émission s'inscrit justement dans le cadre de la radio, donc dans le fait de mettre en avant les talents rouennais. Mais pas forcément, il y a aussi du talent aux Normands en général. C'est une émission d'une heure, le jeudi, quasiment même temps que la quotidienne, malheureusement. Ah, de 18h à 19h, c'est ça ? Il va falloir me changer ça, Corentin. C'est absolument pas gentil du tout de nous faire une concurrence aussi effroyable. Ah, désolé, on s'arrangera, mais voilà. Donc oui, donc, une heure d'émission avec un invité. On part du principe que personne ne le connaît, et à la fin, il faut que tout le monde le connaisse, finalement, en parlant de ses débuts, de ce qu'il fait, de ses influences. Et peut-être aussi en lui posant quelques petites questions. Alors justement, nous, tous les deux, Sylvain et moi et Simon, on s'est amusés à te préparer quelques petites questions, et ça va être le moment des questions flash. Prépare-toi, Corentin. Ah. On y va. Jingle. Oh alors, la question vache, attention oui. Corentin, là Stéphanie va être assez dure. Hein. Voilà. Alors première question, à quoi tu ne résistes pas, Corentin ? Je ne résiste pas à des bonbons, Haribo, pour pas citer de marque, mais c'est trop bon. Corentin, à quel âge as-tu pris ton premier râteau ? Ouf, 15 ans. De quoi es-tu le plus fier ? De ce que je fais en ce moment à la radio. Quelle est ta plus grosse honte ? Ce que je fais en ce moment à la radio. Alors attention, on a la censure de. Non mais j'ai eu peur, j'ai vraiment eu peur. J'ai cru qu'il allait dire ce que je fais en ce moment à la télé. Alors là, c'est Je ne permettrai pas. La honte nous serait retombée dessus, Corentin. Alors qui adorerais-tu interviewer ? Ah, c'est une très bonne question. Là, c'est mon côté footballeur qui va reprendre le côté Zlatan Ibrahimovic, juste pour l'ego qui est Zlatan. Et quelle est ton expression favorite ? À l'antenne, c'est mais sinon, c'est il n'y en a pas de favori. C'est ça tourne. C'est pas bonjour, vous êtes avec Corentin sur R2R. On va passer une heure formidable ensemble. On va interviewer un inconnu et puis dans une heure, tout le monde le connaîtra. Non, c'est pas ça. Non, en général, c'est des expressions assez poussiéreuses. Assez poussiéreuses. Bon, d'accord. Que plus personne. Corentin, qu'est-ce qui te fait le plus rire dans la vie ? Oh, les gens. Sans vouloir être méchant. Alors Corentin, on dit souvent... Dernière question, Sylvain. On dit souvent, tu sais, en radio, on parle de personnes qui, quelquefois, ont un physique de radio. Hein, c'est-à-dire... Un physique pas facile. Est-ce qu'on peut considérer que toi, tu as un physique de télé ?
Ah, vous me prenez au piège, parce qu'en fait, je voudrais bien faire de la télé aussi. C'est vrai. Et donc, du coup, je ne sais pas. C'est à vous de juger, justement. Vous êtes, c'est aux téléspectateurs de la chaîne normande voilà, de juger. Bah, écoute, voilà, c'était est-ce la question vache. Est-ce que je suis de faire de la télé? Bon, et bah, écoute, on va te faire faire un petit test, Corentin. Si tu veux faire de la télé, petit test grandeur nature, mini entretien de recrutement. Tu regardes la caméra qui est là-bas, et ça puis tu as 30 secondes pour tout donner pour que les gens regardent ton émission la semaine prochaine. Ah, vas-y. Alors, Rouen du Talent, c'est du divertissement, de l'interaction, de la découverte. Vous pouvez envoyer vos questions à nos invités sur la page Facebook Rouen du Talent. Si vous êtes vous-même artiste, justement, vous pouvez m'envoyer une de vos musiques pour vous faire découvrir à rouendutalent@gmail.com. Et si même vous êtes des artistes encore plus confirmés, bah venez à l'émission. C'est bien, Corentin. Allez, un petit coup de sonnette. C'est bien. Un petit coup de sonnette. Bon, écoutez, tu te débrouilles pas mal. Et en plus, c'était pas préparé. Tu n'avais pas de notes sous les yeux. Il n'y avait pas de prompteur à la caméra. Donc voilà. Allez, bravo. Hop. Bravo, c'est bien, c'est la liaison confraternelle entre les médias. Voilà, hein, merci. Voilà, très bien. Voilà, et bien Corentin, on t'emmène avec nous pour la Minute de l'Environnement. Il s'agit d'une entreprise qui s'appelle Cémater, une entreprise qui compose des cloisons qui elles-mêmes sont composées à 80% de matériaux naturels. C'est parti. La Minute de l'Environnement vous est proposée par la région Haute-Normandie. Alors, je m'appelle Alain Lefebvre, j'ai 57 ans, je dirige l'entreprise Cémater et j'ai inventé un matériau du même nom. Alors Cémater, c'est un matériau de construction qui sert à construire les murs d'un bâtiment. Il est structurel, ça veut dire qu'il est porteur. Il est écologique parce qu'il est à 85% de matériaux naturels qui sont tirés directement de sur le site. Et on y ajoute du ciment, de la chaux et des fibres de lin. Ces fibres de lin donc, vont remplacer, comme pour le béton, vont remplacer les armatures. Donc là, on a des armatures écologiques. Ce matériau, donc, il est déjà récupéré sur le site de construction. Donc on élimine complètement les transports. Les avantages donc, de ces matières, c'est qu'il est isolant thermique, il est isolant phonique. Je pense que c'est le matériau le plus écologique qu'on puisse trouver sur le marché aujourd'hui. En ayant inventé et développé le matériau Cémater, nous contribuons aux constructions écologiques. C'était la Minute de l'Environnement avec la région Haute-Normandie. Eh bien bonjour, nous voici réunis à nouveau cette semaine pour la chronique sport de la chaîne normande. Nous allons aborder aujourd'hui les pompes. Je suis à nouveau accompagné de Corinne. Corinne, on va se mettre en place. Donc Corinne va vous montrer les versions féminines de ces exercices et je vous montrerai ensuite en face les versions masculines. Donc l'exercice des pompes pour les femmes, il va falloir donc se mettre à genoux. Vous êtes moins puissante du buste que les hommes. On va faire attention à avoir les fesses très légèrement relevées comme si vous aviez un fil qui tirait le bassin vers le haut et on va garder le bassin gainé de cette façon à chaque fois. On va ensuite descendre tout doucement en inspirant et pousser en soufflant. Voilà. Donc maintenant, Corinne, tu ne bouges pas. Je me place de l'autre côté pour vous montrer la version homme qui se fait, elle, sur la pointe des pieds. Donc, on va partir à plat ventre. Vous allez monter les fesses, main écartement des épaules au niveau de la poitrine et on va souffler, inspirer, souffler. On retient le mouvement en descendant. On pousse bien fort. On fait ça, comme d'habitude, une dizaine de fois. Et à la fin des 10, on va tenir 10 secondes à mi-chemin, maintenant. 3, 2, 1, on pousse, on pose les genoux, voilà. Donc cet exercice-là, vous le répétez par série de 10, une petite pause de 30 secondes de récupération entre chaque. Et maintenant, nous allons vous présenter un exercice un tout petit peu plus facile qu'on appelle les demi-pompes, pour ceux pour qui ces versions-là posent encore des problèmes. Donc les demi-pompes, on se remet chacun dans notre position homme et femme. Les demi-pompes vont consister à descendre sur un bras, puis remonter sur ce même bras. Vous faites 5 montées-descentes bras droit, puis 5 montées-descentes bras gauche maintenant. Voilà, vous tenez l'effort dans la montée comme dans la descente, toujours en gérant votre respiration.
de la manière la plus facile pour vous sur cet exercice. On pense bien toujours à gérer le bassin. Attention à ne pas creuser du dos quand vous commencez à fatiguer. D'accord ? Pour vos lombaires, c'est très mauvais. Voilà. On pose les genoux pour finir et se préserver. Ces exercices-là, vous pouvez les répéter en augmentant le nombre de séries ou le nombre de répétitions. Pensez toujours à avoir un petit temps de récupération entre chaque pour récupérer. Le muscle a aussi besoin de repos quand il a travaillé. Voilà, donc la fin de cette chronique. La semaine prochaine, on travaillera un autre groupe musculaire. Très probablement revenir sur les abdominaux que nous avions vus à la toute première émission. Voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup Jérôme Coche. Je ne sais pas si finalement vous nous mettez en forme pour le début du week-end ou si vous nous faites aborder le début du week-end un peu fatigué. Parce que bon, même si on ne participe pas, on compatit. Et bravo en tout cas à la personne qui vous accompagne et qui permet de mettre en scène vos très très bons conseils. On aborde maintenant, Stéphanie, le plateau final de cette quotidienne de fin de semaine. Oui, puisque nous recevons avec plaisir Dab de la Porte. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie, bonsoir Sylvain. Vous êtes un habitué vous ici. Ça commence. Hein. Et Dab... est très bien accompagné, puisqu'à côté de lui, toujours. Sylvain, je vous laisse présenter Miss Prestige Normandie. Ben voilà, Miss Prestige Normandie. Marjorie, c'est Stéphanie, elle nous la joue un peu. Bonjour Sylvain, tu nous arrives de Normandie et tu as 23 ans, quel est ton âge? Bon, donc, non, simplement on va dire son nom, c'est Marjorie Stenner. Et Dab de la Porte, donc président de Bouchon 276, on va en reparler, vous l'avez dit Stéphanie, mais effectivement, comment vous faites pour être toujours bien accompagné? La fois dernière, vous étiez avec je ne sais pas combien de candidates à Miss Rouen. C'est quoi cette histoire de relier les Bouchons 276 avec les Miss, Dab? Ben, disons que nous cherchons des ambassadeurs, des ambassadrices. D'accord, voilà, c'est ça. Et c'est comme ça que donc, j'ai découvert, lors d'un défilé du Téléthon, Marjorie. Voilà, donc Marjorie, candidate. Comment va Madame de Fontenay? Très bien. À chaque fois, je vois une Miss précise. Elle va bien? Elle a la pêche? Oui. Franchement, la toute première fois que je l'ai vraiment vue, c'était le 9 novembre, lors de mon élection. Et franchement... Elle n'était pas trop acariâtre, ça allait? Non, franchement, elle est super gentille. Non, bon, vous savez, c'est la tradition un peu de charrier un petit peu, Madame de Fontenay. Oui. Bon, de toute façon, quand elle vient à Rouen, vous nous l'amenez sur le plateau. Hein. On y tient. Et alors, si vous êtes élue Miss Prestige Nationale, qui est le concours qu'a repris Madame de Fontenay après avoir revendu Miss France à la société en démol, eh bien j'exige avec Stéphanie que vous nous l'ameniez sur le plateau, on y tient. Hein. Oui. Alors on va peut-être justement parler de cette élection et du déroulement avec Marjorie. Hein. Donc Marjorie, tu as été sélectionnée là en novembre dernier, c'est ce que tu nous disais, parmi 16 candidates de Normandie, c'est ça? Oui, c'était vrai. Oui, mais avant en fait on avait des présélections. Qui, selon si on était prise, on pouvait donc accéder à ce concours de Miss Prestige Normandie. Donc avant d'être élue Miss Prestige Normandie, j'ai d'abord été élue Miss Hippodrome Gournay-en-Bray, pardon, en août. Miss Hippodrome Gournay-en-Bray. Vous avez été élue Miss Hippodrome Gournay-en-Bray. Je vais faire un peu Yann Barthès là, dans le petit journal. Waouh, Miss Hippodrome Gournay-en-Bray, waouh, ça fait peur. Oui, donc franchement, je ne pensais pas du tout... être élue. Ouais. C'est vrai que ça m'a fait vraiment bizarre quand j'ai été élue. Je me suis dit non, c'est pas moi. Enfin, je me suis dit je suis quand même jeune. Donc les gens n'ont pas alors, forcément... Tu as quel âge, Marjorie? 18 ans. Tu fais des études? Je suis en terminale ST2S et je prépare mon bac. En fait. Pour faire quel métier plus tard? Diététicienne. J'articule bien pour pas qu'il y ait de... Parce qu'on m'a déjà dit que... Enfin, dans les journaux, ils ont dit que je voulais faire esthéticienne. Donc j'articule. Donc moi, je vais faire diététicienne. Donc d'abord faire un DUT génie biologique, option diététique. D'accord, tout un programme. Alors revenons à cette élection de Miss National Prestige. Ce sera en janvier au Lido à Paris. Le 12 janvier. Tu seras confrontée à combien de candidates? 29. 29 candidates, il y aura un jury forcément, oui. Un beau jury avec qui en particulier? Je ne sais pas encore très bien, je ne sais pas encore très bien, donc il faut que je me renseigne. Mais... Voilà, moi je crois que j'ai vu qu'il y avait Elodie Gossoin, Olivier Gossoin, qui est d'ailleurs une ambassadrice de Bouchon 276, c'est ça, Dab? Effectivement, elle était venue nous rendre visite, comme Madame de Fontenay était venue faire des photos dans les Bouchons à Rouen. Alors, cette élection, Marjorie, on peut déjà peut-être te soutenir pour le 12 janvier, raconte-nous. Donc alors, les votes vont se passer d'une manière, donc en fait, les votes sont 50% public, 50% jury. Donc, pour voter pour moi,
il faudrait que c'est par SMS. Et donc, c'est à partir du 15 décembre, 20h. Et donc, il faut taper par SMS Miss 19 au 71 037. Et donc, c'est jusqu'au 12 janvier, 16h30. Donc, merci, on n'y manquera pas, les spectateurs. On pourrait peut-être aller voilà. Vidéo avec des caméras exactement. D'LCN, pourquoi je, pas. Je vois que Sylvain se revigore encore. Alors moi j'ai quand même une question, qu'est-ce que alors, vous avez oui, Sylvain c'est, à côté alors, on a, faut peut-être voyez, demander à Dab. Voilà, là où il y en a un qui est accroché, j'en ai décroché un du décor, c'est ces petits personnages qu'on appelle des boubous. Tout à fait. Hein, alors des boubous, regardez. Dab. Alors les boubous sont fabriqués au tout début par la secrétaire de l'association, Martine, qui a lancé ces petits bonhommes. Et comme ça a du succès, ben on les met aussi en vente sur notre stand lorsque nous sommes en animation. Et entièrement depuis, fait en bouchon. Hein. Entièrement en bouchon, en plastique. Parce qu'on ne l'a pas rappelé au début de l'émission, mais l'association Bouchon 276, qui a fêté ses 10 ans dernièrement, c'est une association qui recycle les bouchons de tout, hein, les bouteilles. Tous les bouchons, tous les couvercles en plastique. Voilà, de notre région. Et ça, tout ce qui est récolté, il y a des fonds qui sont ensuite reversés à des personnes pour les aider, des personnes handicapées de notre région. Effectivement, en 10 ans, nous avons reversé 300 000 euros à 348 personnes qui habitent en Normandie. Alors, de très belles actions. Et vous avez sorti aussi un petit jeu de 7 familles, le jeu des 7 boubous. Alors, racontez-nous, dame. Voilà, et bien donc c'est Aurélien Porté, un jeune, qui nous a fait ce jeu de ses familles, qui l'a fabriqué petit à petit, il nous a envoyé les clichés. Et donc, on retrouve les différentes familles de bouchons que l'on peut collecter, que l'on peut mettre dans les points de collecte. Très pédagogique, hein, à la fois ludique et pédagogique. Voilà. Et en plus, ce jeu de 7 familles est fabriqué à IFTO par l'ESAT d'IFTO, un centre d'handicapés. Très bien, dame de la porte. Et bien, tout ça paraît tout à fait cohérent et vous êtes toujours énergique au service de ces belles causes et on ne peut que vous en féliciter. On ne peut aussi qu'encourager tous les téléspectateurs. Alors depuis que vous êtes venu la première fois sur le plateau, moi je l'ai fait. Alors faites effectivement comme moi. Moi j'ai pris une bouteille avec un col assez ouvert et maintenant elle est sur dans la cuisine et systématiquement tous les jours on met les bouchons dedans. Voilà, voyez, vous m'avez donné le réflexe. Et pour connaître tous les points de collecte, il suffit d'aller sur notre site internet www.bouchon276.org pour connaître les 350 points de collecte. Bravo, bravo, merci beaucoup, merci Corentin, l'homme de la radio qui fera peut-être de la télévision un jour. Merci Dab de la Porte. Et puis le moment est venu de nous quitter. Et si vous le permettez, moi je voudrais vous quitter avec deux Miss, accompagnée en plan large de deux Miss. Voilà, je voudrais vous souhaiter un très très bon week-end avec d'un côté Miss LCN. Et oui, Stéphanie, pour le week-end, je vous ai baptisé Miss LCN. Merci, mais Sylvain. Le titre, attention, il sera remis en jeu lundi. Donc il faut en être digne. En plus, il est rose. Voilà. Et puis avec Marjorie Stenner, à qui tous les téléspectateurs de LCN envoient leurs encouragements par le petit œil là-bas. Vous voyez, Marjorie, ils sont tous devant leur télé et je suis voilà, sûr qu'ils vous soutenir, ils veulent par que, vous, que la Normandie gagne. Hein. Voilà, jusqu'au 12 janvier. Jusqu'au 12 janvier. Et donc, Miss Normandie Prestige National, peut-être Miss National. Eh bien, on souhaite à tout le monde une très bonne soirée et un très bon week-end. Très et bon on week-end. Dit coucou à tout le monde. Bon voilà, on se retrouve lundi dans la quotidienne à 18h15 en direct. Ciao, ciao. Ciao.